Dans notre société, où le rythme s'accélère et les sollicitations et les interruptions augmentent, il n'est pas évident de rester serein. Pour gérer la pression et garder l'efficacité, il faut, selon beaucoup d'experts, apprendre à mieux gérer notre temps. Mais au lieu de nous focaliser sur le time management, parlons de energy management, ou notre façon de gérer notre niveau d'énergie. Active depuis 10 ans dans le coaching, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes dans leur travail et le constat est très clair. La plupart d'entre nous ne savons pas comment maintenir notre niveau d'énergie tout au long de la journée. Nous arrivons trop souvent à la fin de la journée en mode survie, pour ne pas parler de la fin de la semaine de travail ou de la fin de l'année de travail. Et vous? Comment utilisez-vous votre énergie? Je souhaiterais partager avec vous quelques idées efficaces pour booster votre journée de travail. Ça commence au réveil. En interviewant, il y a quelques années déjà, Robin Sharma, l'auteur, entre autres, du livre « Le moine qui vendit sa Ferrari », il me disait que le secret de son succès était de se lever le matin une heure plus tôt que nécessaire et de consacrer cette heure à la pratique de yoga et de la méditation. Il n'est pas le seul à dire cela. De plus en plus de personnes témoignent des bénéfices positifs d'avoir des rituels le matin. Un moment de qualité avec soi-même, du « me time » comme dirait mon fils. Créer un rituel pour bien commencer la journée peut par exemple inclure un réveil en douceur 10 minutes avant l'heure habituelle de votre réveil, sans connexion au monde externe, ça veut dire sans SMS, sans Facebook, mail ou news, juste vous et votre corps qui respire. Un moment de silence en pleine conscience, quelques minutes d'étirement ou de yoga, un temps de visualisation de votre journée idéale, et ce, suivi par un bon petit déjeuner en pleine conscience pour donner à votre corps le carburant nécessaire. Autrement dit, votre routine matinale est fondamentale pour booster votre journée.